Albert Foulché, au bout de sa vie, 5 meurtres. Le premier, il l'a toujours nié, même si tout l'accusait. Les 4 autres, il les a commis 7 ans plus tard, en une seule journée, devenu fou, rempli de haine. À l'origine, juste une rivalité commerciale. Il était assureur, on lui volait sa clientèle, il n'a pas supporté. Car Albert était un mâle dominant, un homme traversé par un sentiment de toute puissance. Foulché ne supportait pas qu'on lui résiste. Et au cas où, il avait planqué tout un arsenal. Il ne fallait pas contrecarrer les plans de M. Foulché. 23 mars 2000, cour d'assises de l'Hérault. Aujourd'hui, on juge un homme pour un meurtre commis il y a 7 ans. Le meurtre d'André Méfray, un assureur de Béziers, tué de 5 balles. Son assassin présumé a été arrêté, mais le box est vide, l'homme est en cavale. Manifestement, il a perdu la tête. Je lui en ai beaucoup, beaucoup voulu. Il a fait une bêtise en se présentant pas. C'était il y a 7 ans, le 21 janvier 1993, à Payès, près de Béziers. André Méfray allait dîner. Quand on a sonné au portillon, il était 20h30. Cinq coups de feu. André Méfray s'est effondré. Le tueur a pris la fuite. C'est un voisin qui a appelé les gendarmes. Lorsqu'on arrive donc sur la scène de crime, on constate que André Méfray est abattu de 5 projectiles dans le corps, dont 2 lui ont traversé le corps et un des 2 a traversé un volet et on l'a retrouvé dans la cuisine de sa résidence. Ce qui nous laisse à penser que l'arme qu'il a tuée est une arme de gros calibre, style 11-43 ou 357 Magnum. Pas de douille au sol. Les gendarmes en déduisent que le meurtrier a utilisé un revolver plutôt qu'un pistolet. Ce qui est également intéressant, c'est que sur Méfray, on découvre que les 5 projectiles forment un tir groupé. Ce qui nous laisse supposer que l'auteur des faits maîtrise la technique du tir. La femme d'André Méfray explique qu'elle était à l'étage, elle n'a rien vu. Et quand elle a entendu les coups de feu, elle a cru que le chien avait renversé des pots de fleurs. Les gendarmes entendent les voisins. 2 personnes ont aperçu le tueur. Le premier l'a même croisé dans l'impasse. L'assassin a crié « Rentre, toi, rentre !» Ce témoin, donc, entend la voix du tueur, le décrit portant une casquette, ne voit pas son visage puisqu'il est un peu dans la pénombre, mais a le temps de le voir avec son blouson marron qui lui donnait une certaine forme. Le second témoin a vu le tueur s'enfuir à bord d'une voiture de couleur sombre. Il se trouve dans son jardin et il voit une voiture qui se trouve de l'autre côté de la rue et qui démarre à toute vitesse. Cette personne pense qu'il s'agit d'une Peugeot 309, mais elle est formelle. Elle dit qu'elle a vu sur cette voiture une bande rouge. Et c'est un élément important. Les gendarmes vont devoir se contenter de ces témoignages peu précis. Ni l'un ni l'autre ne sont capables de dresser un portrait robot. Le 26 janvier, c'est l'autopsie. Le médecin légiste, dans son rapport, fait état que les balles ont été tirées de haut en bas. Mais on peut le comprendre, puisqu'il faut voir la dénivellation du terrain, puisque le corps de M. Méfray a été retrouvé sur la 3e marche en se rendant à son domicile, ce qui, une fois de plus, conforte les doutes que nous avions. M. Méfray a essayé de s'enfuir et donc une balle l'a touché sur le côté. D'après le légiste, le tueur devait se trouver à moins de 2 mètres d'André Méfray. Les balles extraites du corps sont envoyées au laboratoire de la gendarmerie nationale. Le spécialiste nous dit que
plusieurs armes peuvent avoir tiré ces balles. Donc il en a dénoté une certaine, peut-être une centaine, pour retomber sur 22 armes possibles, dont notamment de collection. 22 armes. On n'est pas sorti de l'auberge. Et voilà que la presse s'en mêle. Car depuis le début de l'année, les règlements de compte se succèdent dans la région. Rapidement, je fais le rapprochement entre trois affaires qui ont eu lieu dans le Languedoc-Roussillon. Puisque, outre l'assassinat d'André Méfray, il y a 20 km de là, un assassinat à Marseillan-Plage, pas très loin de Payès, où André Méfray a été abattu. Et dans la foulée, un meurtre sanglant à Nîmes, à une centaine de kilomètres de Payès et de Marseillan-Plage. Des exécutions, toutes perpétrées vers 20h, toujours avec du gros calibre. Les gendarmes réinterrogent Madame Méfray. Son mari avait-il des ennemis, des activités louches? Elle explique qu'à 64 ans, il était à la retraite après avoir été assureur. Et que depuis, il arrondissait les fins de mois en faisant du conseil en placement financier. En perquisitionnant la maison, les gendarmes découvrent des photos d'identité surprenantes dans le bureau d'André Méfray. Des photos de lui, le visage tuméfié. Colonel Andral, à l'époque, vous commandez la compagnie de gendarmerie de Béziers. J'aimerais qu'on parle de ces photos découvertes au cours de la perquisition chez Méfray. Qu'est-ce qu'elles montrent, ces photos ? Alors, on trouve une photo de Méfray avec le visage complètement tuméfié, le nez écrasé, les deux yeux au beurre noir, comme quelqu'un qui s'est fait vraiment tabasser. Quoi. Vous interrogez la famille, je suppose ? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors là, on arrive dans... Enfin, il y a toute une ambiance, c'est-à-dire quand on débarque chez Madame Méfray, on est étonné parce qu'on est face à des gens qui sont dans le mutisme. Il y a peu d'émotion aussi, parce que bon, on vient de tuer son mari aussi. Et en général, quand on est chez des gens qui viennent perdre un proche, ils essaient d'aider les enquêteurs. Hein. Mais là, on est face au mutisme. Et à propos de cette photo, elle nous dit c'est une chute à cheval. On a quelques doutes quand même. Alors, pour un peu plus de certitude, on montre cette photo au médecin légiste. Ah, vous transmettez la photo au médecin légiste en lui disant... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est une chute de cheval? Et qu'est-ce qu'il répond? Alors lui, il dit non, ça a tout à fait l'air de quelqu'un qui s'est fait tabasser, hein, qui a pris un coup de tête ou plusieurs coups de poing dans le visage. Et puis il nous dit, si ça avait été une chute à cheval, il y aurait eu des égratignures. Avec la vitesse, la chute, il aurait été griffé. Tandis que là, c'est vraiment que des impacts. Donc lui, il est formel, c'est pas une chute de cheval? Oui, c'est pas une chute de cheval. La piste de la chute de cheval est donc écartée. Quant au tabassage, peut-être. Mais qui ? Les gendarmes se concentrent sur ses affaires et son ancienne activité d'assureur. Il s'était remis à son compte et il avait plus ou moins repris des clients qu'il avait à l'époque. Il avait le portefeuille d'un grand groupe d'assurance. André Méfray, en novembre 92, était en transaction d'affaires et a parlé d'une importante commission qu'il allait percevoir. Certains de ses amis s'inquiètent, compte tenu de l'importance de la commission qui est annoncée, que ce ne soit pas de l'argent sale. La femme d'André Méfray parle de placements hasardeux, des parts dans des chevaux de course, des ventes de diamants ou des reprises de crédit. Certes, elle reconnaît qu'au début, certains placements faits par son mari au profit de certains souscripteurs se sont avérés délicats. Et effectivement, certains clients ont eu leur capital qui a sérieusement blessé. Et ça ouvre la porte de la vengeance d'un client mécontent. D'autant que les gendarmes apprennent que Méfray était inquiet ces derniers temps. Peu avant son meurtre, il était allé voir un armurier pour acheter une arme, je crois que c'était un fusil de chasse qu'il a acheté, pour se défendre, parce que manifestement, il ne se sentait pas en sécurité. Sur l'arme du crime, les choses avancent. Tous les armuriers de la région ont été priés de rechercher parmi leurs clients ceux qui possèdent une ou plusieurs des 22 types d'armes sélectionnées par le laboratoire. Un armurier de Béziers
se souvient d'un client bizarre. Alors, colonel Andral, que vous dit exactement cet armurier de Béziers ? Alors, il nous dit qu'il y a quelqu'un qui lui a amené une arme, qui est une arme de collection, qui est un peu spéciale, Dan Wesson, pour la faire neutraliser, pour être en règle, parce que quand on n'a pas de détention ou de port d'armes, on n'a pas le droit d'avoir une arme de cette catégorie chez soi si elle n'est pas neutralisée. Et le sentiment de cet armurier, justement, c'est qu'il n'a pas affaire vraiment à... ou un collectionneur passionné, ou quelqu'un qui appartient à un club de tir. Et il a le sentiment que cette neutralisation ne va pas perdurer. Il va la remettre en activité, cette arme. Donc en fait, le sentiment qu'il a, c'est que la personne est juste venue chercher un bon voilà. un papier qui prouve que l'arme a été neutralisée. Voilà, pour pouvoir la consommer. Il a dans ses fichiers, quelque part, le nom du propriétaire oui. de cette arme. Oui, oui, il nous dit que ce monsieur s'appelle Albert Foulché. Et là, on a vraiment une piste sérieuse. Parce qu'il apparaissait, mais pas de manière emblématique, dans l'environnement de M. Meffray lors de notre première intervention. Mais là, compte tenu qu'il a un Dan Wesson, et que cette arme fait partie des armes susceptibles d'avoir servi à ce crime, là, on croit qu'on tient une bonne piste. – À partir de ce moment-là, franchement, on ne cherche plus du côté de la liste des clients qui auraient pu non. en vouloir à M. Meffray, c'est plus ça ?– C'est plus ça. Quand Meffray a pris sa retraite, en 83, la maison mère a réparti son portefeuille de clients entre trois assureurs, dont Albert Foulché. – Les relations professionnelles entre Albert Foulché et André Meffray ne sont pas très bonnes. On peut dire que les deux hommes ne s'apprécient pas. Nous apprenons que M. Foulché se plaignait que M. Meffray lui retirait des clients pour aller les donner à d'autres assureurs. M. Foulché revenait assez régulièrement à la charge et lui reprochait que si son cabinet avait complètement baissé en chiffre d'affaires, il en était un peu le responsable. Et M. Meffray se plaignait du comportement de M. Foulché à son encontre. Cet Albert Foulché devient un suspect intéressant, car au bout de 5 années dans le groupe d'assurance, il a jeté l'éponge et depuis, il pointe au chômage. En voulait-il à Meffray ? A-t-il fini par le considérer comme responsable de son échec professionnel ? Les gendarmes le placent sous surveillance. Par notre informateur, nous apprenons que c'est quelqu'un qui est quand même assez particulier, puisqu'il est d'une nature violente et qu'effectivement, il possède des armes et il va s'entraîner à faire du tir à la décharge publique. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'on se demande comment peut-il faire du tir, puisqu'on sait par d'autres moyens administratifs que l'autorisation d'armes de 4e catégorie lui a été retirée. Et début juin, nous apprenons par notre informateur que Foulché souhaitait quitter le territoire national. 6 mois après l'assassinat d'André Meffray, Albert Foulché est le suspect numéro 1. Le 8 juin 1993, les gendarmes l'interpellent alors qu'il sort de chez lui. Les gendarmes arrivent, ils montent avec eux dans son appartement et fouillent son appartement. Jusque-là, tout se passe très bien, jusqu'au moment où ils découvrent un sac. Dès que nous découvrons le sac, là, le visage de Foulché change. Il est embêté. Non seulement nous trouvons 4 armes de poing, mais nous trouvons également 2 taki-walki. Donc, ce qui est surprenant pour quelqu'un qui apparemment passe une petite vie paisible d'avoir autant d'armes, d'autant plus que l'une d'elles est chargée. Il va essayer de s'enfuir, car c'est un impulsif. Et il pense immédiatement que c'est son épouse qu'il a dénoncée pour essayer de l'enfoncer quelque part. Ce que ne savait pas Foulché, c'est que nous avions mis le groupe d'intervention qui était sur le seuil de son appartement. Il était immédiatement interpellé. Et nous rentrons Albert Foulché pour explication dans son appartement de ses armes. Albert Foulché reconnaît que ses armes et ses munitions lui appartiennent. L'atmosphère est tendue. Les gendarmes découvrent un blouson en cuir marron qui ressemble à celui qu'a vu un témoin le soir du meurtre. Dans le garage, la voiture de Foulché, c'est une Ford grise,
à bande latérale rouge. Albert Foulché est placé en garde à vue. Ainsi que sa femme Bernadette, sa maîtresse de Narbonne Danielle Herrero et sa maîtresse de Béziers, Isabelle Suzic. Pendant que des gendarmes l'arrêtaient à lui, ils sont venus me chercher chez moi. Ils m'ont dit, venez nous suivre. Ils ont fouillé un peu la maison, je crois. Comme ça, vite fait. Et ils m'ont mené chez... Et ils m'ont dit que quand j'étais chez eux, ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, c'est votre amant. Mais ils m'ont pas dit de suite pourquoi. Donc, j'ai su bien plus tard pourquoi j'étais là, quoi. Face aux gendarmes, Albert Foulché nie le meurtre. Mais dans la salle d'à côté, sa maîtresse est plus bavarde. Isabelle Suzic amène des éléments intéressants, puisque quand on l'interroge sur M. Beffray, elle nous dit que Albert Foulché se vengerait, puisque un jour Foulché frapperait M. Beffray et ne se rendrait même pas compte que ce serait lui. Donc il s'était déjà. C'était un début d'aveu vis-à-vis d'Isabelle Suzic. Les gendarmes demandent à Foulché de s'expliquer là-dessus. Il raconte qu'en 1988, sa compagnie d'assurance lui a demandé de racheter la clientèle d'André Meffray, alors que ça faisait 5 ans qu'il avait récupéré des clients et que ça ne lui rapportait pas un sou. Et que Meffray n'y était pas pour rien. Foulché le soupçonnait de favoriser en douce un autre de ses successeurs, un certain Maurice Michaud. Meffray, par-dessous, faisait partir la clientèle de son propre cabinet, qui repartait en grande partie, semble-t-il, chez Michaud. Foulché nous dira qu'il avait personnellement lui-même pris attache avec Michaud pour lui demander des explications. Albert Foulché avait fini par se persuader que Maurice Michaud était de mèche avec Meffray pour le couler. C'est pour ça, dit-il, qu'il a jeté l'éponge en 88. Pour autant, Foulché le répète, même s'il en voulait à Meffray, il ne l'a pas tué. Je veux bien que Foulché soit un impulsif. Je pense qu'il est capable de se battre, certainement. Maintenant, je ne le crois pas machiavélique. Et je ne pense pas qu'il soit capable, 5 ans après, d'aller tuer Meffray. Ça me paraît totalement incompréhensible. Pour les gendarmes, c'est le mobile. Une rivalité commerciale. Il cherche encore des preuves et compte sur l'expertise des armes. Alors, colonel Andral, comment se comporte Albert Foulché en garde à vue et qu'est-ce qu'il dit notamment au sujet de cette arme d'Anouesson ? Alors, en garde à vue, il est dans le mutisme. J'ai le sentiment, enfin, je suis face à quelqu'un qui est assez psychorigide, un peu limité aussi, disons-le, intellectuellement quand même, mais quand même avec un ego assez fort, quoi. Voilà. Et il ne veut pas s'expliquer sur ces termes. Alors à ce moment-là, vous recevez les experts, les conclusions des experts balisticiens. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent, ces conclusions ? Alors, il nous dit que sur les 5 balles qu'on a retrouvées dans le corps de M. Meffray, il y en a 3 qui ont une signature incontestable. Elles ont été tirées par ce fameux Dan Wesson retrouvé chez Albert Foulché. Il est formel, comment il sait ça ? Formel. Parce qu'on fait des photographies microscope électronique, des rayures qu'il y a sur la balle laissées par le canon. Et aucun canon n'est absolument identique à cette échelle-là. Donc c'est comme des empreintes digitales, c'est une signature unique. Chaque arme a sa signature unique. Donc, c'est le Dan Wesson de Foulché qui a tué Meffray. Tout à fait. Vous lui dites ça pendant le temps de la garde à vue ? Alors, j'ai même essayé de. Comme c'était un ancien militaire, on essaie d'user de toutes les ficelles pour essayer d'avoir des aveux. Et j'ai essayé de faire jouer seul et il dit vous êtes un ancien militaire, moi j'étais commandant à l'époque. Et je lui dis il faut vous expliquer sur cette arme. Si c'est pas vous, dites qui a accès à cette arme, à qui l'avez-vous prêté ou qui peut s'en servir ? Et on n'a eu aucune réponse. Il est resté dans le mutisme.
Pendant toute sa garde à vue, Fulchet le répète, il n'a pas tué Méfray. Et s'il avait voulu le tuer, ajoute-t-il, il s'y serait pris autrement. Fulchet, du reste, prétend que s'il avait tiré avec cette arme, il l'aurait jeté, il s'en serait débarrassé, c'est évident. Si Albert Fulchet devait commettre meurtre, c'est manifestement pas avec le Dan Wesson qui tirait très mal, mais certainement avec un autre revolver qu'il avait dans sa collection, qu'il aurait commis le meurtre, et pas avec cette arme-là. Reste qu'Albert Fulchet n'a pas d'alibi pour le soir du 21 janvier. Isabelle Suzic explique aux gendarmes qu'il l'appelait tous les soirs d'une cabine pour qu'elle descende le retrouver. Mais ce soir-là, elle est formelle, il ne lui a pas téléphoné. Elle nous dit que ses rencontres avec Albert Fulchet, elle est notée sur un agenda et elle est caractérisée par une étoile. Or, le 21 janvier, elle nous fait constater qu'elle a vu Albert Fulchet et c'est d'ailleurs marqué d'une étoile le matin à 10h30. Et elle ne l'a plus revu de la journée. Le 22 janvier, le lendemain du meurtre, Isabelle Suzic est même allée le chercher dans la salle de musculation où il avait ses habitudes, car elle était inquiète de ne pas avoir de nouvelles. À la fin de la garde à vue d'Albert Fulchet, les gendarmes ont la conviction qu'il est l'assassin d'André Méfray. Le 10 juin 1993, Albert Fulchet est entendu par le juge d'instruction avant d'être placé en détention à Villeneuve-lès-Maglone, près de Montpellier. De leur côté, les gendarmes poursuivent leur enquête pour tenter d'en savoir plus sur le personnage. À 18 ans, Albert Fulchet s'engage dans l'armée et veut devenir gendarme. À 21 ans, il se marie et devient ambulancier, en rêvant de mieux. C'est un homme, dans le cadre de son travail, manifestement, qui avait une volonté d'ascension sociale. Et je sais qu'à un certain moment, poussé par sa première femme, il a pris des cours du soir pour s'élever socialement, ce qui est tout à son honneur, du reste. En 1982, Albert Fulchet devient assureur à Béziers. Il a deux enfants, achète une belle maison, une grosse voiture. Mais la concurrence est rude. Et en 88, il laisse tomber le cabinet d'assurance et ses ambitions avec. Il emménage dans un petit studio sans confort et enchaîne les petits boulots et les maîtresses. J'ai appris qu'il avait une certaine Danielle Herrero dans sa vie par sa femme. C'est sa femme qui me l'a dit. Il m'a dit, de toute façon, vous le voulez, c'est bien, mais bon, il a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est une femme qui a plusieurs magasins sur Perpignan, Carcassonne, un magasin de cuir. De toute façon, un jour, il vous laissera pour elle. En 92, Albert Fulchet divorce. Il pointe au chômage et passe ses journées au stand de tir. L'agent en assurance est devenu gigolo. Sa maîtresse de Narbonne refuse qu'il reprenne une activité. Elle exige qu'il soit à sa disposition toute la journée. Elle y met le prix, car Fulchet la comble. Alors, ce qui est paradoxal dans la vie de M. Fulchet, c'est qu'il vit du RMI. Et puis quand même, on se rend compte également qu'il mène un certain train de vie. Il va à la salle de musculation tous les jours, qu'il a une voiture. Et on se rend compte que c'est au niveau de sa maîtresse, Danielle Herrero, laquelle lui donne, si j'ose dire, son loyer mensuel, qui équivaut à environ 9000 francs par mois. Attiré par l'argent facile, Fulchet tire définitivement un trait sur ses rêves de réussite. Maître Martin, vous êtes dans cette affaire l'avocat d'Albert Fulchet. Les gendarmes, en fouillant dans son passé, ont découvert une première chose. Il mène une triple vie, Monsieur Fulchet. C'est un homme qui aime les femmes en nombre. Au moment où il est interpellé dans l'affaire Méfray, c'est un homme qui a un casier judiciaire vierge. Et certes, il a des aventures sur le plan sentimental, mais on ne peut rien lui reprocher d'autre. Est-ce qu'il avait des comptes à régler avec Méfray? Il y avait un contentieux commercial tout de même. Écoutez, ça n'apparaissait pas.
Il a vendu son portefeuille d'assurance, il a mené une autre vie, une vie qui ressemblait à ce qu'il était, c'est-à-dire une vie un peu anachronique, qui n'est pas celle d'un homme qui se lève le matin pour aller travailler, il allait dans les salles de musculation, il faisait du sport, il avait une vie sentimentale agitée, mais jamais le dossier n'a révélé qu'il pouvait y avoir dans le contentieux d'affaires qui avait opposé Beffray à Foulché les prémices des faits qui lui ont été reprochés. Et il était fauché, Foulché ? Je pense qu'il ne roulait pas sur l'or, parce qu'à partir du moment où il avait vendu son cabinet d'assurance, il était fauché, il était entretenu. Bon, ça ne fait pas la démonstration de sa culpabilité. Au final, vous pensez-vous qu'au tout début de l'enquête, il n'y a pas grand-chose contre lui, quoi ? Je crois que si on n'avait pas trouvé chez Foulché l'arme dont on dit, et je ne suis pas persuadé que ce soit la vérité, dont on dit qu'elle était l'arme du crime, rien n'aurait pu être reproché à Foulché. Rien. En prison, Albert Foulché continue de nier. Il vit replié dans sa cellule et attend son premier parloir. La première fois que je l'ai vu au parloir, il était content. Il était content enfin de voir quelqu'un, en fait. Parce que c'est vrai qu'il est resté longtemps sans voir personne. La seule personne qu'il voyait, c'était ses avocats. Son autre maîtresse, Danielle Herrero, le soutient aussi, à sa manière. Même en prison, Foulché a une double vie. Je sais que Danielle Herrero payait les avocats. Elle a payé pendant quelque temps. Elle les a aidés. J'ai rencontré d'autres fois pour parler des rapports d'expertise. Et elle m'a dit qu'il était coupable, que je ne devrais pas insister. Elle m'a vraiment déstabilisée. Venant de sa part, ça m'a... Elle dit, mais non, c'est pas possible. Et le fait qu'après, j'ai appris qu'elle était toujours là, je n'ai pas compris. Mais bon, il n'arrivait pas à se décider. Il n'arrivait pas à choisir. Finalement, c'est avec Isabelle Suzic que Foulché décide de s'engager sur le long terme. Il m'a dit que si j'étais toujours d'accord, qu'il voudrait bien un autre enfant. Et je savais très bien que, vu qu'il était là-dedans, ça ne pouvait pas se faire. Et bon, quelques temps après, on a essayé une fois ou deux, et ça, la petite, elle était conçue au parloir. Les semaines passent. Albert Foulché ne cesse de répéter qu'il est innocent, mais rien n'y fait. Son absence d'alibi l'accable. C'est là qu'Isabelle Suzic retrouve soudain la mémoire. 4 mois après sa dernière audition, elle annonce au juge d'instruction qu'elle se souvient maintenant très bien de ce qu'elle a fait dans la soirée du 21 janvier 93. Elle était avec Albert Foulché. Il a donc un alibi. Il est venu me chercher, donc on a pris la voiture. On est allé faire un petit tour et on est tombé sur un chemin qui était rempli d'eau. Et alors comme il était très maniaque pour sa voiture, comme tout le reste, il a vu que l'eau montait et il a fait marche arrière. On est ressorti et en continuant, on est tombé à une station d'épuration. Et on est sorti de la voiture et il m'a demandé si je savais à quoi ça servait. Il m'a expliqué en gros à quoi ça servait. Et sur le chemin du retour, et il m'a dit on va faire une petite secousse avant de rentrer. Donc on a fait ça, et puis il m'a posé devant chez moi. Et il est parti. C'était à peu près 8h30. Les gendarmes vérifient la météo du mois de janvier 93. Aucune inondation n'a eu lieu dans la région. Les déclarations d'Isabelle Suzic prennent l'eau, mais elle s'accroche. J'avais un agenda, et c'est vrai qu'en feuilletant l'agenda, même si je n'avais pas marqué, les souvenirs reviennent. D'un jour à l'autre, ça revient. Donc je me suis bien rappelé que c'était ce jour-là. Il y a des souvenirs qui restent. Autant dire que cet alibi tardif ne convainc pas. Et en prison, Foulché n'a pas le moral. Il n'acceptait pas trop les conditions dans notre été, parce qu'il a été un certain moment en isolement, considéré comme la bête noire. Il me répétait toujours qu'il allait être jugé, que
Il risquait de prendre 20 ans. Mais il m'a toujours refusé de dire qu'il était coupable. Après un an de détention, Albert Foulchet décide de reprendre en main sa défense. Foulchet va écrire de nombreuses lettres au juge d'instruction pour avoir les expertises complémentaires que ses avocats, Maître Martin et moi-même, avons demandé à plusieurs reprises. Et Foulchet rentre manifestement dans une révolte. Les courriers, on l'écrivait, mais on n'avait jamais de retour. Même toutes les démarches qu'on a faites. On a écrit au président, on a écrit à tout le monde. Mais ça restait toujours sans réponse, de toute façon. Il a fait la grève de la faim, parce qu'il voulait qu'on l'entende quand même, c'est vrai. Déjà 3 ans de prison. Aucune reconstitution n'a encore eu lieu. Foulchet exhorte le juge d'en organiser une, ainsi qu'une confrontation avec les témoins qui l'auraient vu le soir du meurtre. C'est ce que fait enfin le magistrat en mai 96. Mais sur les conseils de ses avocats, Foulchet ne fait qu'y assister. La première reconstitution, Foulchet a refusé d'y participer puisqu'il se prétend totalement innocent. C'est donc un policier qui va revêtir son blouson, mettre une casquette comme avait celle du tueur, qu'on n'a pas retrouvé chez Foulchet du reste, et va faire ce qu'indique le témoin. Le témoin reconnaît à peu près la corpulence, mais quand il voit Foulchet, il ne peut pas dire et il ne peut pas accuser Foulchet. La reconstitution n'est pas concluante. Le juge en organise une deuxième. Cette fois-ci, c'est le second témoin, celui qui a aperçu la voiture du tueur, qui doit se prononcer. La Ford Escort à liseré rouge d'Albert Foulchet est transportée sur les lieux. Et le juge d'instruction à ce moment-là a demandé au témoin: est-ce que vous reconnaissez le bruit de la voiture? Et le témoin, très précisément, a dit: non, je ne le reconnais pas. Peut-être le juge d'instruction n'a-t-il pas entendu, mais j'ai été obligé de faire répéter au témoin sa réponse pour qu'elle soit notée très précisément dans le PV. Autant d'éléments qui disculpent Albert Foulchet d'une quelconque tentative d'assassinat. Mais on n'en tiendra pas compte après. Chez le juge, la confrontation avec les témoins ne donne rien non plus. Aucun ne reconnaît Foulchet. Pour ses avocats, c'est maintenant sur le terrain de l'expertise balistique qu'il va falloir se battre. Alors Dominique Rizet, ce dossier repose sur des expertises balistiques. Au total, il va y en avoir 4. Oui. Elles disent toutes la même chose? Oui et non. En fait, Christophe, c'est assez confus. La première expertise, elle est réalisée en juin 1993 par les gendarmes de l'IRCG. Les gendarmes disent que le Dan Wesson 357 Magnum d'Albert Foulchet présente des caractéristiques qui peuvent concorder avec les traces relevées sur trois seulement, des 4 projectiles qui ont été retrouvés dans le corps de la victime. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de cette expertise, les gendarmes disent, après avoir essayé l'arme, que ce revolver ne fonctionne qu'en simple action. Il a un problème mécanique. Je vous explique. Ouais. Il faut savoir que quand on tire avec une arme, ça va beaucoup plus doucement en simple action, parce qu'il faut relever le chien à chaque fois. Donc 4 coups de feu tirant en simple action, ça donne à peu près ça. Pan, 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 pan. En double action, ça donne pan, 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 pan. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a un témoin qui est là au moment du meurtre et qui dit: moi, j'ai entendu des coups de feu simultanés. C'est-à-dire tirer en façon rafale. Rapprochée. Presque en quasiment rafale. Quasiment en rafale. Quasiment en rafale. Donc, si l'arme ne tire qu'en simple action, ça ne peut pas être l'arme de Foulchet, le Dan Wesson, qui a servi pour le meurtre. Première expertise. Première expertise. Deuxième expertise. Demandée par les avocats, évidemment. Absolument, oui. 3 mois plus tard, septembre 1993, un seul expert qui dit: premièrement, les quatre projectiles ont bien été tirés par le Dan Wesson, c'est sûr. Donc c'est complètement à l'opposé de ce qu'ont dit les gendarmes. Eux parlent d'une possibilité. Là, il en est sûr. Deuxième chose, l'expert dit: le Dan Wesson, il fonctionne en simple action, mais il fonctionne aussi en double action. Donc ça fait 2 expertises contradictoires. Oui. Bah, il va falloir une troisième. Alors la troisième, elle est menée par 2 experts qui disent les 4 projectiles sont tirés par le Dan Wesson, comme les deuxièmes experts. Le Dan Wesson fonctionne, il a un problème mécanique
Au niveau du percuteur, le ressort est légèrement écrasé et déformé, mais il fonctionne quand même en double action. Et cette troisième expertise, elle dit aussi, à propos des munitions, la munition tirée, c'est une munition wad cutter. Ça, c'est une balle de tireur sportif. Fulché fait du tir sportif. Alors, on est là avec trois expertises. Ils disent pas toutes la même chose. De moins en moins de certitude. Donc, on va en faire une quatrième. On donne au quatrième expert les trois premiers rapports et on leur dit, allez, décortiquez-nous tout ça, allez chercher les points de contradiction, vous les analysez, vous les commentez et vous nous faites le point. Première chose, ces rapports ne sont pas contradictoires mais complémentaires, la belle affaire, on n'apprend pas grand-chose. Deuxième point, que si les observations des uns et des autres ont varié, eh bien c'est parce que l'état mécanique de l'arme a évolué au fur et à mesure des essais qu'on a fait. Bien sûr, quand on essaie une arme en balistique, on tire des séries, des dizaines de balles. Alors, on n'apprend rien de plus, aucune de ces expertises n'est fiable définitivement, et ça, pour les avocats de Fulché, c'est du pain d'épices. Les avocats de Fulché comptent bien jouer sur les points de divergence des experts. Et en attendant, ils multiplient les demandes de libération, car l'instruction traîne en longueur, ça fait 3 ans. Que Fulché est en prison. En octobre 1996, la chambre d'accusation est finalement obligée de le remettre en liberté. C'est la loi. Fulché s'installe à Béziers avec Isabelle Suzic et leur bébé et tente de reprendre une vie normale. Mais la prison l'a changé. Ça l'a beaucoup marqué. Il est devenu plus dur, plus... Il n'était pas aussi... Comment dire... compréhensif avec ce qui se passait à la maison et ailleurs, d'ailleurs. Albert Fulché s'est enfoncé dans une position de révolte, d'absence de confiance dans la justice. Et c'est un homme qui était en train de se transformer manifestement. Du reste, quand il a été libéré 42 mois après ou 3 ans et demi après, ce n'était plus le même personnage. En fait, Fulché espère son procès autant qu'il l'appréhende. C'est sûr qu'il savait que c'était pas fini. Hein. Il était sorti parce qu'il est resté trop longtemps en prison, c'est tout. Mais c'était pas fini, il savait très bien qu'il fallait qu'il se batte. Donc on est allé, je sais pas combien de fois, chez Maître Martin pour voir le dossier, pour voir un peu, trouver la petite faille qui pourrait éventuellement le sortir de là. Albert Fulché tente aussi sa chance du côté de la presse. Il veut qu'elle le réhabilite. Et raconte à un journaliste que la justice a reconnu son innocence. J'ai donc vérifié l'information et puis effectivement, il avait été remis en liberté dans la plus totale discrétion par un arrêt de la chambre d'instruction, mais il n'y avait jamais marqué sur la motivation de l'arrêt qu'Albert Fulché était innocent, bien entendu. Au cours d'une balade en ville, Fulché croise le gendarme qui l'a interpellé 3 ans plus tôt et il lui joue le même numéro. Nous étions en mission avec Béziers et le hasard a voulu que nous tombions sur Albert Fulché. Il nous avait dit, en fin de compte, vous voyez, j'ai été libéré parce qu'il n'y a aucune preuve contre moi, c'est pour cette raison qu'on m'a libéré. Et donc, ça s'était très bien passé. Puis j'avais dit à Albert Fulché, de toute façon, il n'y a aucun problème. Lorsque vous passerez aux assises, il faudra amener la preuve de tout ce que vous dites. Hein. Je pense qu'il a eu une petite réponse près l'après-midi, parce qu'il m'a dit, je ne retournerai plus en prison. Et pour les assises, on verra. Et puis nous sommes quittés avec lui. 4 années passent. Albert Fulché vit de petits boulots et attend d'être jugé. Mais le 11 janvier 2000, 3 mois avant l'ouverture du procès, les gendarmes de la brigade de recherche d'Aurillac viennent l'interpeller chez lui. Ils sont arrivés, ils ont commencé à le questionner. Moi, j'ai pris ma petite, je suis partie. Et quand je suis rentrée, il n'était plus là. On a cherché partout où il était et les gendarmes l'avaient emmené là-bas, à Aurillac. Albert Fulché est en garde à vue, car les gendarmes le soupçonnent d'être impliqué dans une autre affaire. 2 ans plus tôt, son neveu aurait attaqué des personnes âgées dans le Cantal, avec un complice. Et les gendarmes se demandent maintenant si ce complice ne serait pas Albert Fulché. En fin de matinée, 2 hommes viennent frapper à la porte d'un couple de septuagénaires, prétextant vouloir acquérir le commerce qu'ils viennent de mettre en vente, qui était un débit de boisson.
Mais rapidement, ce qui devait être une discussion, on va dire, commerciale, va tourner à quelque chose de beaucoup plus radical. Le couple est bâillonné, saucissonné avec du film plastique. Les deux hommes sont armés. Ils recherchent de l'argent liquide et ils n'hésitent pas à frapper leurs victimes à coups de crosse de revolver pour leur faire avouer où ils ont caché leurs économies. Le neveu d'Albert Foulché a laissé ses empreintes sur place avant de filer. Et en fouillant dans son entourage, les gendarmes sont tombés sur cet oncle bigrement intéressant, un oncle en attente d'un procès pour meurtre. En garde à vue, Foulché nie toute implication dans cette affaire de saucissonnage. Alors les gendarmes organisent une confrontation. Et les deux victimes, l'homme et la femme, seront formelles et reconnaissent Albert Foulché comme étant le second de leurs agresseurs. Seulement Foulché nie toujours. Après 30 heures de garde à vue, les gendarmes, qui n'ont pas suffisamment de preuves contre lui, le laissent partir. Mais à 3 mois de son procès, 3 jours plus tard, Foulché craque. Le 15 janvier, c'est notre anniversaire. On a fêté chez ses parents. Et il a dit qu'il préférait partir, que... Je voulais aller avec lui, mais avec la petite, c'était pas possible. Donc je suis restée là. Et il est parti. Où ? Je sais pas. Il a fait 4 ans de prison déjà. Il voulait pas y retourner. Je peux le comprendre qu'il peut pas, il veut pas y retourner. Donc il est parti. Après 3 ans de contrôle judiciaire irréprochable, Foulché choisit la cavale. Alors que son procès est imminent. Jusqu'au dernier moment, tout le monde espère qu'il se ressaisisse. Mais le 23 mars 2000, le box est vide. Je suis allé aux assises au moment où il a été convoqué. Et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'Albert Foulché. Comme ils sont acharnés, les juges et les gendarmes, je pense qu'il aurait pris quand même beaucoup et qu'il ne voulait pas affronter ça. Et moi, j'en ai beaucoup voulu. Alors Dominique Rizet, à quoi ressemble un procès sans accusé, puisque là, l'accusé n'est pas là? Bon, ça se passe jamais très bien pour l'accusé, puisque les absents ont toujours tort. Alors, à l'époque de l'affaire Foulché, on parlait de procès par contumace. Aujourd'hui, depuis la loi Perben 2 de 2004, on dit un procès par défaut, ça s'appelle le défaut criminel. Alors, de toute façon, le procès, il a lieu, même hors la présence de l'accusé. Ça se passe de la façon suivante. Il n'y a pas de débat oral, et pour cause, tous les débats sont écrits. Donc, c'est le président de la cour d'assises, ses 2 assesseurs et l'avocat général qui vont travailler. En l'absence de juré. En l'absence de juré, en l'absence d'avocat, partie civile et défense, en l'absence de témoins, en l'absence d'experts. Et en général, c'est même systématique, le verdict prononcé, c'est la peine maximale encourue. En l'occurrence, la réclusion criminelle à perpétuité. Pourquoi ? Parce que ça permet à la justice de se protéger. Si 25 ans plus tard, on arrête la personne, ou si 25 ans plus tard, elle se constitue prisonnière, elle ne peut pas essayer de se protéger derrière le temps de la prescription. Elle a une condamnation à perpétuité qu'elle doit effectuer. Et elle part en tôle. Et elle part en prison. Alors, ensuite, évidemment, elle peut faire appel du verdict de la cour d'assises et demander l'annulation de ce verdict. C'est ce qui se passe toujours. Et alors, on la rejuge. Dans les conditions normales, cette fois-ci. Dans des conditions normales. Maître Martin, le 23 mars 2000, s'ouvre le procès d'Albert Foulché devant la cour d'assises. Bah, sauf qu'il n'est pas là, il est en cavale. Est-ce qu'il vous avait prévenu de sa cavale? Pas le moins du monde. Il ne vient pas et il ne me prévient pas. Il ne me prévient pas et la dernière fois que je le vois, j'ai le sentiment, profondément ancré en moi, qu'il devrait venir, mais j'ai aussi un doute parce que je vois qu'il a le sentiment, il éprouve le sentiment que l'information a été conduite à charge et que ça va se poursuivre, y compris au procès. Et il croit, peut-être à tort ou peut-être à raison, que le procès est pour lui perdu d'avance, eu égard aux charges qui sont accumulées sans qu'elles soient démontrées. Mais vous pensez que
Il y avait quelque chose à plaider dans ce procès? Vous auriez pu obtenir l'acquittement? J'aurais incontestablement plaidé l'acquittement. Je pense qu'il est l'exemple même du citoyen broyé par l'institution. Et que si l'information avait été conduite à charge et à décharge, comme l'exige le code de procédure pénale, peut-être n'aurait-il jamais été renvoyé devant la cour d'assises. C'est frustrant, je suppose, de ne pas plaider dans ce procès par contumace. Ben oui, bien sûr, c'est frustrant parce qu'on a travaillé, mais d'un autre côté, c'est son choix. Et ça, c'est quelque chose qui lui a dicté sa conscience et contre lequel nous ne pouvons rien. Un mandat d'arrêt européen est lancé. Il se cache pendant de longs mois, jusqu'au jour où il prend le risque de revenir chez sa compagne. Il m'a dit que la cavale, c'est trop dur, qu'il faut toujours se cacher, qu'il ne sait pas où aller, qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il m'a demandé s'il pouvait rester là, qu'il ne pouvait pas rester loin de moi, loin de la petite. Alors, moi, j'ai dit oui. Et à partir de ce jour, il était ici. Fulchès se fait oublier. Le jour où il vit enfermé dans l'appartement, il ne sort parfois que la nuit et devient un pro de la cavale. Il a fabriqué une cache, un endroit où il pourrait se cacher quand les gens viennent, sans qu'on puisse se douter qu'il est là. Et il passait des heures là. Quand je recevais du monde, il se passait, il restait là-dedans. Et même si on ouvre le placard, si on ne mesure pas ou si on ne sait pas la profondeur du placard, on ne peut pas savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Mais quelques jours plus tard, Fulchès quitte une fois de plus sa compagne et sa fille et ne leur donne aucune nouvelle pendant 5 mois. Jusqu'à Noël 2000. Le dernier réveillon de jour de l'an qu'on a fait, on a bu un peu de champagne et il m'a dit « À la nouvelle année, en espérant qu'elle sera meilleure que ce qui vient de passer, ou je serai riche ou je serai mort. » Fulchès poursuit cette vie clandestine jusqu'au 8 janvier. Ce jour-là, il quitte l'appartement en plein jour. Mais avant de sortir... Il me dit, tu veux faire les courses, tu achètes une galette pour la petite et une petite bouteille de champagne. Ce soir, on fera les galettes de roi avec la petite, parce qu'elle adorait ça. Et lui, c'était faire plaisir à sa petite tout le temps. Alors là, le papa gâteau. Bon, moi, je fais mes courses et tout, et le soir, à la télé... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 8 janvier. La cavale sanglante d'un forcené qui a tué 4 personnes, dont 2 policiers près de Narbonne. Il est toujours en fuite. En début d'après-midi, Albert Fulchès a rejoint Narbonne à bord d'une Golf rouge. Il s'est rendu chemin des Bougnats, chez son ex-maîtresse, Danielle Herrero. À 14h, il a garé sa voiture dans la cour, où il est tombé sur Pascal, le mari de Danielle. Elle les observait depuis sa fenêtre. Elle a entendu Fulchès crier à son mari « Pourquoi ? Pourquoi ?» C'est là qu'elle a vu que Fulchès portait une arme. Elle a compris ce qui allait se passer. Elle a pris la fuite pour appeler à l'aide. À 14h27, il y a un appel de Madame Herrero sur le 17. Appel téléphonique relativement court dans lequel elle explique dans la cour de son habitation dont elle donne l'adresse, une altercation oppose son ex-amant à son mari et que son ex-amant est armé. Immédiatement, 2 policiers de Narbonne se rendent chemin des Bougnats, persuadés qu'il s'agit d'un différend familial. Quelques minutes plus tard, Danielle Herrero rappelle la police. Elle précise qu'Albert Fulchès est recherché et dangereux. Mais cette information n'arrive pas aux 2 policiers de la patrouille. Je n'arrive plus à les joindre par radio.
Or, on sait très bien que la radio passe parfaitement tout autour de Narbonne, donc ce n'était pas un problème d'onde. C'est vraiment que les fonctionnaires n'avaient pas la possibilité de répondre à la radio. Pour quel motif? Ça, on ne sait pas encore. C'est simplement peut-être parce qu'ils sont partis dans des étages, hein, ça arrive, donc on ne répond pas à la radio. Mais surtout, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que cet appel d'un voisin qui dit « j'ai entendu des coups de feu », ça vient de l'endroit où la patrouilleuse est. J'étais juste devant le commissariat. Et là, plusieurs policiers qui ont déboulé à toute vitesse, hein, vraiment, avec les mitraillettes, ils tenaient les gilets, enfin, etc. Il y en a un qui m'a regardé, qui me connaissait, et qui m'a dit « on a une fusillade chemin de Bougna ». Je les ai suivis. Une fusillade. Au commissariat de Narbonne, c'est le branle-bas de combat. Mais quand les policiers arrivent sur place, c'est trop tard. Leurs collègues ont été abattus. Les deux hommes de la patrouille n'ont même pas eu le temps de descendre de voiture. Dès que le véhicule de police s'est engagé lentement dans l'allée qui mène à l'habitation pour se positionner derrière le véhicule rouge, Golf rouge, immédiatement Albert Foulché, qui fait face à son voisin, donc Monsieur Herrero, va se retourner et faire feu. Une rafale, alarme automatique. Et Foulché a pris la fuite. La scène de crime est parfaitement lisible. Les deux portières sont ouvertes. Les deux victimes sont tombées de chaque côté. Ils n'ont même pas eu le temps de dégainer, rien. Et la rafale, c'est un pistolet mitrailleur, la rafale coupe le pare-brise complètement, en deux. Lorsque nous arrivons et que nous voyons ces impacts de balles, on peut penser effectivement que le tueur n'a pas voulu laisser de chance à ses policiers. Et qui plus est, lorsque nous sommes arrivés, les corps qui étaient au sol étaient effectivement très criblés de balles, quoi. Les policiers sont morts sur le coup. À quelques mètres, Pascal Herrero est très sérieusement touché. Pascal aurait essayé de s'interposer et c'est à ce moment-là que lui-même a été blessé. Il a reçu 3 balles et il a agonisé pendant 30 minutes. Et encore, pendant ces quelques minutes où il a agonisé, pour vous dire à quel point lui avait confiance en sa femme et à quel point il aimait encore sa femme malgré toutes ses trahisons, il n'appelait que sa femme parce qu'il s'inquiétait pour elle. Quand Daniel Herrero réapparaît au bout du chemin, Pascal est mort. Nous entendons une personne, elle est à 200, 300 mètres du domaine, qui crie, qui est très affolée, apeurée. Il s'agit de Madame Herrero. Les pompiers viennent à son secours. Elle ne parle que de son amant, Albert, un homme dangereux et avide d'argent. C'est vrai que sans cesse elle répétait qu'il fallait se méfier. Sur les lieux, Madame Herrero répète les choses, mais elle nous le dit, quoi. Elle nous explique quel est le cas dans cette affaire. Cet homme-là voulait de l'argent. Le signalement d'Albert Foulché est transmis à toutes les unités de police. Sa Golf rouge est activement recherchée. Moins d'une heure après le drame, Foulché réapparaît dans une autre voiture au cœur de Narbonne. C'est une commerçante qui le repère. Il est 15 heures. Elle voit une Peugeot blanche déposer un homme devant le cabinet d'assurance de Maurice Michaud, cet agent qui était en affaire avec André Meffray, 10 ans plus tôt. L'arrivée de Foulché, ça dure quelques secondes. Hein. Michaud prend son manteau et ressort immédiatement. Il dit « j'en ai pour quelques minutes ». Est-ce qu'il dit « ok, je t'emmène, on va à la banque ». Est-ce que… personne ne le sait. Je pense que M. Michaud quitte, je connaissais Michaud, il quitte le cabinet pour éviter le carnage dans le cabinet. Foulché et Michaud se dirigent vers la voiture de l'assureur, une Mercedes. C'est là qu'un client de Michaud les remarque. Je l'aperçois avec, il était au cul de la voiture, en train de discuter avec un gars. Il me voit, je lui fais un signe, il ne me répond pas. Monsieur Michaud avait un visage fermé, tendu, une,
expression grave. On sentait qu'il y avait une tension. Michaud et Folchet montent dans la Mercedes. Michaud prend le volant et se dirige vers le chemin de Coursan, à une centaine de mètres du lieu de la tuerie. Là, tous les deux descendent de voiture pour s'expliquer. Il fait très très froid, il y a un agriculteur qui est là. Donc son attention d'un Mercedes qui rentre dans le chemin boueux là, deux hommes en descente et se mettent à se disputer. Alors là, le témoin dit, je n'entendais pas ce qu'il se disait, mais la dispute était violente. Le monsieur se retourne en se disant, et là il entend des coups de feu. Et il voit un homme repartir, monter au volant et partir avec le véhicule. Maurice Michaud est à terre, abattu de 4 balles. Nathalie Azouar-Matelli, à l'époque, vous êtes la juge d'instruction qui pilote ce volet de l'enquête. Qu'est-ce qui vous fait tout de suite penser que ce quatrième meurtre est l'œuvre de Albert Folchet et que vous pouvez le relier donc aux 3 premiers meurtres commis dans cette journée? Les secrétaires de M. Michaud vont être entendues et elles vont indiquer que le 8 janvier, en début d'après-midi, un homme qu'elles vont décrire comme ressemblant au signalement donné par Mme Herrero d'Albert Folchet s'est présenté donc au cabinet d'assurance et qu'après une courte discussion avec M. Michaud, ils sont partis tous les deux à bord du véhicule de M. Michaud. Et l'arme utilisée, c'est la même? Alors, au départ, nous n'avons pas l'arme, mais nous allons avoir les munitions qui ont été percutées, donc les munitions utilisées par Albert Folchet. Ce sont toutes, que ce soit pour les deux sous-brigadiers et pour M. Herrero, et pour M. Michaud, ce sont toutes des munitions 9 mm blindées. Donc il n'y a pas de doute, quoi? Il n'y a pas de doute, d'autant plus qu'ensuite, les autopsies des 4 victimes confirmeront qu'elles ont toutes été tuées avec des munitions de type 9 mm blindées. Albert Folchet a été déposé chez M. Michaud à Narbonne dans une Peugeot blanche qui n'est pas la sienne, ce qui ouvre évidemment la porte d'une complicité. Il avait un complice ou pas? Il y a la commerçante qui confirme qu'elle a bien vu ce jour-là donc une voiture blanche avec au volant une femme déposer l'homme qui correspond au signalement d'Albert Folchet et qu'il va ensuite repartir avec M. Michaud. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre aggravé. On vous communique très vite, je suppose, le dossier du bonhomme? Oui, tout à fait. Donc entre-temps, effectivement, puisqu'on s'oriente immédiatement sur Albert Folchet, donc on découvre qu'au moment des faits du 8 janvier, il est, pour ainsi dire, en cavale. Et donc, bien évidemment, la première priorité, ça va être d'essayer de le retrouver le plus rapidement possible pour éviter qu'il n'y ait d'autres meurtres. Folchet a pris la fuite avec la Mercedes de Michaud. Quelques minutes plus tard, il force un barrage et tire sur un gendarme, sans l'atteindre. À 16 heures, la police retrouve la voiture à Sérignan, à une trentaine de kilomètres de Narbonne. Après ça, elle perd la trace de Folchet. Dans l'après-midi, le plan Épervier est déployé et les hommes du raid investissent Sérignan. Il y avait, dans un premier temps, à faire une sorte d'inventaire de plusieurs maisons autour de la voiture qu'il avait abandonnée, afin de vérifier s'il n'était pas dissimulé dans ses habitations. Donc, notre première mission, c'était ça, éclaircir et purger la situation sur ce village-là. Les policiers sont sur les dents. On peut penser effectivement que nous avons à faire une série de règlements de compte. Herrero d'une part, Michaud ensuite, donc on pouvait craindre que dans son délire, Folchet aille ensuite agresser d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, on pouvait bien sûr penser à tous ceux dont il se considérait comme victime, mais également ceux qui l'avaient jugé, ceux qui l'avaient arrêté, ceux qui avaient été procédurés. Donc, d'une manière tout à fait normale, certains gendarmes ont été protégés, certains magistrats ont été protégés, mais ça, c'était la règle du jeu à partir du moment où on ne savait pas exactement quelles étaient les motivations de Folchet. C'est un plan de protection exceptionnel qui se met en place. Parmi tous ceux à qui Folchet peut en vouloir, il y a le juge, qui a instruit l'affaire Méfray, et sa famille,
qui sont placés sous protection. Il y a eu un appel au parquet de Béziers pour dire que nous étions en danger, quoi. Mon mari m'avait toujours dit que lors d'un interrogatoire, M. Foulché lui avait clairement dit que de toute façon, il le tuerait avec toute sa famille. Il m'en a toujours parlé comme quelqu'un de dangereux et susceptible de faire n'importe quoi. Voilà donc ce qu'Isabelle Suzik découvre au journal télévisé le soir du 8 janvier. J'ai rien compris du tout. Il s'en va le matin, il revient pas le soir, il tue plein de personnes. Ma mère me dit, regarde la 3, je revois ça. Non, ça, je n'ai pas compris. Je ne pense pas qu'il devienne fou, quand même. Non. Parce qu'il est allé voir bien des personnes bien ciblées. Il n'est pas voir n'importe qui. Il n'a pas tiré sur n'importe qui. Quand j'entends dire qu'il a fait des barrages, qu'il a tiré, il n'a pas tiré sur n'importe qui, il n'a pas tiré sur la foule. Hein, si vraiment quelqu'un qui disjoncte et tout, il tire n'importe où, n'importe sur n'importe qui. Il va pas devoir des gens bien précis, comme il a fait. Le lendemain, Foulché est l'ennemi public numéro un. Eh bien, ils ont tout fermé, bloqué le village, et ils nous ont demandé de venir chercher nos enfants. À quelle heure ? Là, dans le village, ça s'est dit, et voilà. Excusez-moi, mais j'ai peur. Quelques jours après la tuerie de Narbonne, tout le midi de la France, je dis bien tout le midi de la France, vivait sous l'antise, puisque à cette époque-là, à 18h, il n'y avait plus personne qui se promenait dans les rues. Tout le monde se barricadait chez lui, de peur de tomber sur Albert Foulché. Et Albert Foulché était vu de partout. Il était vu à Toulouse, à Narbonne, à Béziers, à Carcassonne, à Bordeaux. On le voyait partout. Tous ces témoignages doivent être vérifiés. L'un d'entre eux a l'air sérieux. Le 10 janvier, le SRPJ est destinataire d'un appel qui est anonyme d'une femme qui dit « J'ai la trace d'Albert Foulché qui donne relativement peu d'éléments de circonstances, mais qui situe les faits et notamment la présence d'Albert Foulché vraisemblablement au village qui s'appelle Les Rives. » Les Rives, dans le Larzac, à plus de 200 km de Narbonne. Les policiers prennent la piste au sérieux parce que c'est là qu'habite un ancien codétenu de Foulché. On avait trois pistes possibles. On avait le domicile de l'éventuel complice de Foulché. On avait également une grange qui appartenait également à une personne qui aurait pu lui apporter une aide. Et également un domicile qui appartenait à des touristes allemands et qui aurait pu également servir de cache à ce moment-là à Foulché. La maison de campagne est inoccupée en hiver. Les policiers rappellent les hommes du raid. Il fait nuit, il faut progresser. On a pas mal de distance entre l'endroit où on peut stationner nos véhicules et l'endroit où il faut aller. Mais on trouve. On trouve et sincèrement, on pense que ça peut être là, que ça tient bien la route par rapport à cette cavale et surtout à cet instant T. Il peut être là, parce que là, c'est vraiment la planque d'urgence. Et on trouve, on fouille, il n'est pas là. Il a déjà pris la fuite. Vous regardez ici de ce côté, la porte a été blindée, mais elle n'a pas été touchée. Celle-là a été ouverte et je ne comprends pas encore tout ce qui s'est passé. Mais enfin, c'est certain qu'ils ont été là. C'est sûr qu'il a mangé puisque ses deux complices sont venus lui porter à manger, justement. Donc, c'est sûr et certain qu'il a mangé ici. Ces deux complices, deux hommes du coin, Michel Vernet, un ancien codétenu, et Patrick Typhon. J'avais espoir avec les enquêteurs que les gens qui avaient peut-être une clé ou un élément de clé de réponse sur où il était et pourquoi il avait fait ça, allaient parler. Donc ces deux hommes vont être interpellés vers 22h le 10 janvier. Michel Vernet et Patrick Typhon sont arrêtés dans cette pizzeria du Quélard. En garde à vue, ils racontent. Michel Vernet maintiendra qu'effectivement, cette nuit-là, il a hébergé un temps très court Albert Foulché, qui était aux abois.
Michel Vernet est terriblement inquiet de savoir qu'est-ce qu'il va faire de ce très mauvais paquet cadeau. Et Albert Foulché, lui, va le ressentir et on perd totalement sa trace. Les policiers mettent la pression sur les deux complices pour qu'ils balancent ceux qui auraient pu aider Foulché dans sa cavale. Un nom sort, Bernard Castel. C'est aussi un ancien codétenu. Il tient un restaurant à Sète. C'est lui qui aurait conduit le fuyard jusqu'au Kellar. Trois jours après la tuerie, l'interpellation est plutôt musclée. Ils sont venus me chercher donc le jeudi. Ils sont rentrés en trombe, ils ont encerclé le quartier, ils étaient armés. Ils n'ont pas attendu de me poser des questions, ils m'ont sauté dessus. Et ils ont dit, vas-y, tu vas rentrer, s'il y a quelqu'un, s'il y a Foulché, c'est toi qui m'offres en premier. Voilà. Ils étaient acharnés, ils s'acharnaient sur moi. Et puis à la fin, comme ils voyaient que je n'avais rien à dire, que je disais rien, ils m'ont mis un calibre dans la bouche. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas occulter le contexte de panique, l'émotion. Il y a deux officiers de police qui sont morts, il y a deux autres personnes qui sont mortes, il y a un fuyard qui est en fuite, il y a des magistrats, des avocats qui sont sous protection. On annonce le fugitif ici, quand on arrive ici, il est là ailleurs. Je pense que cette ambiance de panique n'est pas pour rien dans le fait qu'on est un petit peu moins exigeant avec des exigences de vérité. Madame Azouar-Matelli, Foulché s'est enfui, mais vous avez mis la main sur trois complices possibles. Ils sont poursuivis, ils sont mis en examen Alors, ils vont d'abord être entendus par les enquêteurs, bien évidemment, avant de m'être présentés. Concernant Michel Vernet, il va être variant dans ses déclarations. Il va indiquer que, donc, dans la nuit du 9 au 10 janvier, il va recevoir à son domicile, à sa grande surprise, la visite d'Albert Foulché, accompagné d'une femme. Et il va dire, donc, dans un premier temps, aux enquêteurs, à moi-même, qu'Albert Foulché a été accompagné à son domicile par Bernard Castel. Par contre, Michel Vernet va ensuite varier dans ses déclarations concernant M. Castel, qu'il va ensuite mettre hors de cause. Qui serait cette femme ? Alors, concernant Vernet, il va dire que la femme qui accompagne Albert Foulché, il la reconnaît comme étant une femme qu'il a déjà vue au parloir, et il va donner le nom d'Isabelle Suzic, qui a été et qui est la compagne d'Albert Foulché. Maître Martin, le 13 janvier, donc on est cinq jours après la tuerie, Albert Foulché envoie une lettre signée de sa main à la rédaction de France 3 dans votre région. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre, Foulché ? C'est quelque part une lettre de menace vis-à-vis de ceux dont il pense qu'ils sont... ils ont joué un rôle essentiel dans l'information qui a été conduite contre lui et qu'ils sont responsables des faits qui ont été accumulés ou des charges qui ont été accumulées. Voilà, qu'ils ont témoigné à charge contre lui. Et on a le sentiment, à la faveur de cette lettre, qu'il a des comptes à régler. À aucun moment pendant cette cavale, après les meurtres, il ne cherche à prendre contact avec son avocat ? Jamais. Jamais, à aucun moment. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, ce jour où il a tué quatre personnes ? Vous avez idée de ce qui s'est passé dans sa tête ? Comment il a pu en arriver là ? Je crois qu'il est dans cette espèce de spirale qu'il s'est forgée depuis un certain temps, considérant que ces gens, en dehors des policiers, puisque les policiers sont arrivés de manière impromptue, hein. Et malheureusement pour eux. Mais je crois que ces gens, donc Michaud et Herrero, si ma mémoire est bonne, sont des personnes dont il est persuadé qu'ils ont influé lourdement dans la procédure, par leur témoignage. Il a pété les plombs, il est fou, il n'appartient plus au monde de la raison à ce moment-là. Oh, je ne suis pas persuadé qu'il soit fou, je crois qu'il est dans une logique qui est devenue implacable, un raisonnement rigide. Il devient une espèce de justicier. Pour la famille de Foulché, cette cavale n'a que trop duré. Son fils aîné et son frère accusent la justice d'être responsable de cette folie meurtrière. On ne serait pas là aujourd'hui si en 93 il n'y avait pas eu de légèreté au niveau du juge. D'après moi, ça va très mal finir.
Non, il ne fera pas de cadeau après ce qu'il a fait. Tout ça parce qu'au départ, ça a été mal fait. Sa première affaire a été mal instruite, hein, c'est tout. Ce que vous souhaitez, c'est qu'il soit arrêté, sain et sauf. Ah oui. Oui, parce que ça risque de finir très très mal. Depuis la tuerie, l'entourage d'Albert Foulché est sur écoute. Une conversation d'Isabelle Suzic attire l'attention des policiers. Le 10 janvier, Isabelle Suzic qui annonce son intention de quitter Béziers, donc de quitter son appartement pour se rendre à Paris, ça n'éveille pas nos soupçons, mais ça nous permet de penser qu'il faut peut-être ne pas laisser la voie de cet appartement ouverte à Albert Foulché. Donc la surveillance va se faire extrêmement poussée à compter de ce moment-là. Au quatrième étage, l'appartement d'Isabelle Suzic est en cul-de-sac. Difficile d'imaginer que Foulché puisse s'y cacher. Pourtant, une semaine après la tuerie, les policiers repèrent quelqu'un à l'intérieur. Ils montent vérifier si les témoins qu'ils ont posés sur la porte ont été déplacés. Et là, Hubert Foulché a effectivement tiré à travers la porte alors qu'ils sont dans l'escalier et à proximité et sur la trajectoire. Je dois dire qu'on aurait pu avoir aussi des gens touchés par les impacts de balles à ce moment-là. Seul dans l'appartement, Foulché est acculé. Aucun moyen de s'échapper. Les policiers entendent des meubles bouger et puis plus rien. Le RAID est de nouveau appelé. À 2h40 du matin, il investit le quartier. Notre premier souci, c'est d'évacuer les occupants de l'immeuble pour avoir une sécurité maximum, parce qu'on veut vraiment une confrontation entre lui et nous et personne d'autre. Je pense que c'était assez raisonnable. Notre approche est toujours la même hein, sur ces affaires. Lorsqu'on est en place, on essaye évidemment de nouer un contact avec l'objectif. C'est ce qu'on a fait, mais sans réponse. C'est plutôt inquiétant en général. On préfère les gens qui parlent. Ils sont moins inquiétants que ceux qui ne parlent pas. Mais on se dit peut-être que l'appartement est vide, donc il faut prendre quand même des mesures techniques supplémentaires. C'est ce qu'on fait. Et on arrive à un moment donné à voir qu'il y a quelqu'un d'allongé dans l'appartement. C'est Foulché, il est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait allongé? Est-ce qu'il nous attend? C'est possible. Vous savez, le RAID a connu des scènes face à des gens très dangereux qui savent très bien que les gens sont protégés, dans des gilets, mais que la partie, je veux dire, fragile dans une protection individuelle, c'est la partie inférieure. Donc pourquoi pas? Il nous attend, il est tapis, il peut tirer, donc on va essayer de voir. On va essayer peut-être même de le déplacer dans l'appartement pour le positionner au meilleur endroit. On a utilisé une grenade offensive pour voir la réaction de cet individu qui était allongé. Et là, on a vu qu'il ne bougeait pas. Bon, ce qui est quand même... supporter une grenade offensive dans un appartement sans bouger, c'est quasiment impossible. Quand les hommes du RAID s'engouffrent dans l'appartement, Albert Foulché est mort. À 10h40, l'annonce est officielle. Il s'est suicidé. Une balle dans la bouche, c'est ça? Voilà. Une balle dans la bouche. Un geste désespéré qu'Isabelle Suzic a encore du mal à admettre. C'était pas le genre de mec à se suicider. Pas le genre de gars à se suicider, non. Il en aurait tué d'autres, hein, jusqu'à ce qu'on le tue, mais jamais de la vie se serait suicidé. La mort de Foulché met fin à l'action de la justice. Une fois encore, Foulché s'est dérobé. Madame Azouar-Mattelli, Albert Foulché s'est donné la mort
Ça met un terme, en tout cas, sa mort à l'action publique, c'est-à-dire que tout s'arrête là. À l'action publique le concernant, effectivement. Parce que nous n'aurons jamais les explications d'Albert Fouché sur des tas de choses. D'abord, bien évidemment, pourquoi vient-il à Narbonne le 8 janvier 2001 ? Est-ce par vengeance, un plan qu'il aurait établi ? Est-ce parce qu'éventuellement il cherche à faire chanter le couple Herrero, parce qu'il a besoin d'argent? Ensuite, pourquoi est-il revenu à Béziers? Quand s'est-il caché dans l'appartement d'Isabelle Suzic? Donc tout ça, c'est autant d'éléments que nous ne saurons pas. Après la mort d'Albert Fouché, vous avez demandé une perquisition de son appartement. On y a trouvé quoi? Lors de cette perquisition, les enquêteurs vont découvrir tout d'abord une cache aménagée dans l'appartement. Nous allons trouver donc un nombre assez important d'armes de divers types, de diverses catégories. Sera également retrouvé des cagoules, des papiers d'identité au nom d'Albert Fouché, des vêtements d'hommes, donc des tas d'éléments qui permettent d'établir que Albert Fouché a vécu là et y était caché depuis quelque temps avant de se donner la mort. Elle savait, c'est Isabelle Suzic, qu'il y avait un arsenal chez elle? Alors, Isabelle Suzic, tout au long de l'enquête, sera plutôt dans une position de mutisme. Elle niera être la femme qui a pu l'accompagner dans une voiture blanche sur Narbonne, et donc elle ne donnera aucune explication sur son geste. Et avec elle, vous en resterez là, vous n'irez pas plus loin, vous ne la mettrez pas en examen, elle ne sera pas complice de cette affaire. Elle sera mise en examen également, comme M. Vernet, comme M. Tiffon et comme M. Castel, pour recel de malfaiteurs. Que donne la suite de l'instruction, puisque dans ce dossier, il ne reste que les complices? Comment ça va se finir pour eux? Alors, concernant donc les quatre personnes qui ont été mises en examen pour recel de malfaiteurs, elles comparaîtront quelques temps plus tard devant le tribunal correctionnel de Narbonne. M. Vernet, M. Tiffon et Mme Suzic seront condamnés pour recel de malfaiteurs. M. Bernard Castel sera relaxé. Albert Fouché, mort, ne sera jamais jugé pour les quatre meurtres du 8 janvier 2001. Il est en droit, innocent de ses crimes. Mais il reste coupable, malgré ses dénégations, de l'assassinat d'André Meffray en 1993.